welcome to fluent francais in this video sophie will talk about her trip to the supermarket this is a great opportunity for learners of french to practice listening comprehension and vocabulary acquisition in a real-life context listen carefully je m'appelle sophie et aujourd'hui je vais vous raconter ma visite au supermarché C'est une expérience que je trouve toujours intéressante car je découvre toujours de nouveaux produits et je peux pratiquer mon français en même temps. Tout d'abord, je me prépare pour mon excursion. Je prends mon sac à provisions réutilisables, mon porte-monnaie et ma liste de courses. J'aime bien avoir une liste pour m'assurer de ne rien oublier. En arrivant au supermarché, je prends un panier et je commence à parcourir les allées. J'essaie de lire les étiquettes des produits pour améliorer ma compréhension du français écrit. Parfois, je ne comprends pas tout, mais je fais de mon mieux pour deviner le sens des mots que je ne connais pas. Au rayon des fruits et légumes, je cherche les produits les plus frais. Je choisis quelques pommes, des carottes et des bananes. Ensuite, je me dirige vers la boulangerie pour acheter une baguette fraîche. J'aime l'odeur du pain frais dans le supermarché, ça me rappelle la France. En avançant dans le supermarché, je croise d'autres clients et j'essaie de leur dire bonjour en français. C'est une bonne occasion de pratiquer ma prononciation et ma politesse. Quand vient le moment de choisir les produits emballés, je regarde attentivement les étiquettes pour vérifier les ingrédients. Je préfère acheter des produits bio et locaux quand c'est possible. Enfin, je me rends à la caisse pour payer mes achats. Je dis bonjour à la caissière et je lui tends ma carte de fidélité. Elle me demande si j'ai trouvé tout ce que je cherchais, et je lui réponds en français que oui, tout s'est bien passé. Une fois que j'ai payé, je remets mes courses dans mon sac et je quitte le supermarché. Je suis contente d'avoir pratiqué mon français et d'avoir trouvé tout ce dont j'avais besoin. C'était une expérience enrichissante et je suis impatiente de retourner au supermarché la prochaine fois. En rentrant chez moi, je range mes courses dans le réfrigérateur et sur les étagères. Je suis fier d'avoir fait mes courses en français et je me sens de plus en plus à l'aise dans cette langue. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de parler encore plus avec les employés du supermarché pour améliorer mes compétences en conversation. Interesting vocabulary and phrases Before we start our speaking practice, let's learn some interesting words and phrases from our story to improve our French skills. Excursion. Une sortie ou une activité. Exemple. L'excursion au supermarché était agréable. Sac à provision. Un sac utilisé pour transporter des articles achetés. Exemple. Je prends mon sac à provision pour faire les courses. Étiquette. Des morceaux de papier ou de carton attachés à un objet pour donner des informations. Exemple. Je lis attentivement les étiquettes des produits. Rayon, une section ou une partie spécifique d'un magasin. Exemple, je cherche des produits frais au rayon des fruits et légumes. Produits bio, produits issus de l'agriculture biologique. Exemple, j'achète des produits bio pour ma santé. Produits locaux, produits provenant de la région ou du pays. Exemple, je préfère acheter des produits locaux pour soutenir l'économie locale. Caisse, un endroit où les achats sont payés. Exemple, je vais à la caisse pour payer mes achats. Carte de fidélité, une carte permettant d'obtenir des avantages ou des réductions dans un magasin. Exemple, je présente ma carte de fidélité à la caissière réfrigérateur, un appareil utilisé pour conserver les aliments au froid. exemple, je range mes achats dans le réfrigérateur pour les conserver. prononciation, la manière dont les mots sont prononcés. exemple, j'essaie d'améliorer ma prononciation en pratiquant le français régulièrement. now it's time to practice. repeat after Sophie. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui. Je vais vous raconter ma visite au supermarché. Je vais vous raconter ma visite au supermarché. C'est une expérience que je trouve toujours intéressante. C'est une expérience que je trouve toujours intéressante. Car je découvre toujours de nouveaux produits. Car je découvre toujours de nouveaux produits. Et je peux pratiquer mon français en même temps. Et je peux pratiquer mon français en même temps. Tout d'abord, je me prépare pour mon excursion. Tout d'abord, je me prépare pour mon excursion. Je prends mon sac à provisions réutilisable. Je prends mon sac à provisions réutilisable. Mon porte-monnaie et ma liste de courses. Mon porte-monnaie et ma liste de courses. J'aime bien avoir une liste pour m'assurer de ne rien oublier. J'aime bien avoir une liste pour m'assurer de ne rien oublier. En arrivant au supermarché. En arrivant au supermarché. Je prends un panier et je commence à parcourir les allées. Je prends un panier et je commence à parcourir les allées. J'essaie de lire les étiquettes des produits. J'essaie de lire les étiquettes des produits. Pour améliorer ma compréhension du français écrit. pour améliorer ma compréhension du français écrit. Parfois, je ne comprends pas tout. Parfois, je ne comprends pas tout. Mais je fais de mon mieux pour deviner le sens. Mais je fais de mon mieux pour deviner le sens. Des mots que je ne connais pas. Des mots que je ne connais pas. Au rayon des fruits et légumes. Au rayon des fruits et légumes. Je cherche les produits les plus frais. Je cherche les produits les plus frais. Je choisis quelques pommes, des carottes et des bananes. Je choisis quelques pommes, des carottes et des bananes. Ensuite, je me dirige vers la boulangerie. Ensuite, je me dirige vers la boulangerie. Pour acheter une baguette fraîche. Pour acheter une baguette fraîche. J'aime l'odeur du pain frais dans le supermarché. J'aime l'odeur du pain frais dans le supermarché. Ça me rappelle la France. Ça me rappelle la France. En avançant dans le supermarché. En avançant dans le supermarché. Je croise d'autres clients. Je croise d'autres clients. Et j'essaie de leur dire bonjour en français. Et j'essaie de leur dire bonjour en français. C'est une bonne occasion de pratiquer. C'est une bonne occasion de pratiquer. Ma prononciation et ma politesse. Ma prononciation et ma politesse. Quand vient le moment de choisir les produits emballés. Quand vient le moment de choisir les produits emballés. Je regarde attentivement les étiquettes pour vérifier les ingrédients. Je regarde attentivement les étiquettes pour vérifier les ingrédients. Je préfère acheter des produits bio et locaux quand c'est possible. Je préfère acheter des produits bio et locaux quand c'est possible. Enfin, je me rends à la caisse pour payer mes achats. Enfin, je me rends à la caisse pour payer mes achats. Je dis bonjour à la caissière et je lui tends ma carte de fidélité. Je dis bonjour à la caissière et je lui tends ma carte de fidélité. Elle me demande si j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Elle me demande si j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Et je lui réponds en français que oui, tout s'est bien passé. Et je lui réponds en français que oui, tout s'est bien passé. Une fois que j'ai payé. Une fois que j'ai payé. Je remets mes courses dans mon sac. Je remets mes courses dans mon sac. Et je quitte le supermarché. Et je quitte le supermarché. Je suis contente d'avoir pratiqué mon français. Je suis contente d'avoir pratiqué mon français. Et d'avoir trouvé tout ce dont j'avais besoin. Et d'avoir trouvé tout ce dont j'avais besoin. C'était une expérience enrichissante. C'était une expérience enrichissante. Et je suis impatiente de retourner au supermarché la prochaine fois. Et je suis impatiente de retourner au supermarché la prochaine fois. En rentrant chez moi. En rentrant chez moi. Je range mes courses dans le réfrigérateur et sur les étagères. Je range mes courses dans le réfrigérateur et sur les étagères. Je suis fier d'avoir fait mes courses en français. Je suis fier d'avoir fait mes courses en français. Et je me sens de plus en plus à l'aise dans cette langue. Et je me sens de plus en plus à l'aise dans cette langue. Peut-être que la prochaine fois... Peut-être que la prochaine fois. J'essaierai de parler encore plus avec les employés. J'essaierai de parler encore plus avec les employés. Du supermarché pour améliorer mes compétences en conversation. Du supermarché pour améliorer mes compétences en conversation. I have prepared a quiz for you based on a learning story. Try to answer all the questions correctly. To the story carefully one more time je m'appelle sophie et aujourd'hui je vais vous raconter ma visite au supermarché c'est une expérience que je trouve toujours intéressante car je découvre toujours de nouveaux produits et je peux pratiquer mon français en même temps tout d'abord je me prépare pour mon excursion je prends mon sac à provisions réutilisables mon porte-monnaie et ma liste de courses. J'aime bien avoir une liste pour m'assurer de ne rien oublier. En arrivant au supermarché, je prends un panier et je commence à parcourir les allées. J'essaie de lire les étiquettes des produits pour améliorer ma compréhension du français écrit. Parfois, je ne comprends pas tout, mais je fais de mon mieux pour deviner le sens des mots que je ne connais pas. Au rayon des fruits et légumes, je cherche les produits les plus frais. Je choisis quelques pommes, des carottes et des bananes. Ensuite, je me dirige vers la boulangerie pour acheter une baguette fraîche. J'aime l'odeur du pain frais dans le supermarché, ça me rappelle la France. En avançant dans le supermarché, je croise d'autres clients et j'essaie de leur dire bonjour en français. C'est une bonne occasion de pratiquer ma prononciation et ma politesse. Quand vient le moment de choisir les produits emballés, je regarde attentivement les étiquettes pour vérifier les ingrédients. Je préfère acheter des produits bio et locaux quand c'est possible. Enfin, je me rends à la caisse pour payer mes achats. Je dis bonjour à la caissière et je lui tends ma carte de fidélité. Elle me demande si j'ai trouvé tout ce que je cherchais, et je lui réponds en français que oui, tout s'est bien passé. Une fois que j'ai payé, je remets mes courses dans mon sac et je quitte le supermarché. Je suis contente d'avoir pratiqué mon français et d'avoir trouvé tout ce dont j'avais besoin. C'était une expérience enrichissante et je suis impatiente de retourner au supermarché la prochaine fois. En rentrant chez moi, je range mes courses dans le réfrigérateur et sur les étagères. Je suis fier d'avoir fait mes courses en français et je me sens de plus en plus à l'aise dans cette langue. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de parler encore plus avec les employés du supermarché pour améliorer mes compétences en conversation. Fantastic work today. Keep up the amazing effort. Remember that daily practice brings you one step closer to becoming fluent in French. Don't forget to like, share, and subscribe for more enjoyable French lessons. Happy learning and see you soon.